Le maire de Béziers Robert Ménard a dévoilé ce matin sa nouvelle campagne d'affichage pour dire oui au projet de ligne TGV Occitanie. Depuis, la polémique enfle point. Le maire de Béziers Robert Ménard a dévoilé ce matin une nouvelle campagne d'affichage ayant pour objectif de promouvoir le développement du TGV en Occitanie, et en particulier un tronçon, qui n'existe pas encore, entre Montpellier et Perpignan. L'une des affiches, que vous pouvez voir ci-dessous, ne cesse de faire polémique. L'affiche n'a pas manqué de faire réagir. Ainsi, Carole Delga, ancienne ministre PS et présidente de la région Occitanie, a dénoncé sur Twitter la recherche du but à tout prix, qui fait tomber dans l'outrance la plus abjecte M. Robert Ménard. Votre nouvelle campagne est une honte. La recherche du but à tout prix vous fait tomber dans l'outrance la plus abjecte. Elle ne peut que desservir le combat que l'ensemble des élus de la région Occitanie mène pour les diesel-GV. Retirez cette communication. La sénatrice de l'Oise et ancienne ministre Laurence Rossignol a également dénoncé cette affiche. Elle s'appelle Émilie, elle avait 34 ans et 4 enfants. En juin 2017, son mari l'a assassinée en l'attachant sur les rails du TGV. L'ignoble Robert Ménard l'a tue une deuxième fois. Je demande retrait immédiat plus poursuite. Via @sebastiendenajapic.twitter.com/64qdt91blas. Secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa a annoncé qu'elle avait saisi le préfet campagne une fois de plus odieuse, de surcroît venant d'un élu de la République. J'ai saisi ce matin le préfet afin que tous les recours possibles soient étudiés et activés. Merci pour vos signalements, a-t-elle écrit.